Les chevaux sont des animaux fascinants qui ont une longue histoire d'interaction avec l'être humain. Ici, au Cadre Noir, ils l'ont bien compris depuis longtemps. Ils étudient leur anatomie, leur évolution, leur comportement. Les soins des chevaux demandent beaucoup d'applications, notamment grâce à leurs fidèles compagnons, le palefrenier et le maréchal Ferrand. Olivier et Yvan vont m'expliquer pourquoi il est important de prendre soin de ces animaux et d'assurer leur bien-être. Bon allez, je vais me faire un petit kiff. Franchement, je suis désolé, j'ai vu les trucs à la Fashion Week. Ça passe. Hein. Que le mannequin de la Fashion Week n'est pas content, il ne sourit pas. Yvan, comment ça va? Bonjour. C'est qui nous amène là? C'est comment son prénom? Alors ça, c'est Vif du Louvet. Alors ici, on est où là? On est dans ton antre là? On est dans la forge de l'école et c'est là où tous les chevaux de l'école reviennent régulièrement toutes les 6 semaines pour le ferrage. Par quoi tu vas commencer là? Alors l'étape numéro 1, il faut relever les rivets pour pouvoir retirer plus facilement le fer. Voilà, maintenant on va pouvoir le déferrer. Ça fait partie des soins. Oui, oui. C'est quand même un soin et c'est quand même un confort pour le oui, cheval, ça. Bien sûr, oui. Là, c'est la selle. La selle. La fourchette, là, mm-hmm. qui est en V, là. Ici, on a les talons. Et ça, c'est toute la paroi, ça. C'est une matière osseuse. Ça, c'est de la kératine, ça. Comme nos ongles, en fait. En tout cas, t'as l'œil, hein, parce qu'il y a des trucs que t'enlèves. Moi, j'ai l'impression que ça fait partie de l'anatomie du cheval, mais en fait, pas du tout, quoi. On n'a pas d'appareillage de mesure. Tout se fait à l'œil. Il est où, Camille? Je suis ici, Yvan. J'arrête parce que franchement, on voit rien du tout. Là, il est chaud. Eh, franchement, tu aurais fait un bon budget. Hein. Donc, tout est à l'œil, quoi. C'est dingue. Tout est à l'œil. J'ai une mémoire visuelle du pied et je redonne la même tournure au fer, en fait. Bah, tu vois, hein, l'intelligence artificielle, là. Bim! Tu pourras jamais remplacer les maréchal Ferrand. Fais-moi ça malin, les algorithmes. Donc en fait, les chevaux, vous êtes quand même des mutants, quoi. 1000 degrés sur le pied, et tu mâchouilles. Clou. Clou. C'est une intervention délicate. Tiens. Merci. Donc, les chevaux, toujours des mutants. Tu leur enfonces un clou dans le pied. Pas un petit rien du tout. Ah bah écoute, je te laisse finaliser le ferrage. Moi, je vais aller voir Olivier, le palefrenier. Les chevaux, je cherche Olivier. Je suis à la recherche d'Olivier, le palefrenier. Ok, je te laisse manger, pas de problème. Olivier, ça sent les bras de caoutchouc. Il est Olivier. Je cherche Olivier. Je crois que j'aurais pas d'autre son que... Salut Olivier. Oui, bonjour. Olivier, toi qui es palefrenier, tu vas m'expliquer un petit peu. Quel est ton rôle? Mon rôle, c'est de prendre soin des chevaux des écuries, que les écuries soient propres, que les chevaux soient propres et en forme, qu'ils puissent ainsi travailler correctement. Tu fais des tresses? Alors oui, il faut qu'ils aient la queue nouée dans l'harnachement afin de pouvoir évoluer sans gêner le cavalier et sans se gêner lui. Je vais essayer de me glisser vite et qu'il fasse ma tresse aussi à moi. Ça va être juste, hein, je vais pas avoir le temps. Profitez, hein, c'est les coulisses du Cadre Noir. Et Olivier se téléporte des fois. C'est-à-dire que tu le suis, il est devant toi et... Ah non, il est là. La céleri d'honneur, voilà. On est déjà reparti là. On est déjà reparti, le tapis. C'est moi qui l'ai fait. La selle. E-Boy part en spectacle là. Et il part, oui, pour les matinales du Cadre Noir de Saumur. E-Boy, fais-nous honneur ce matin. Merci. Ok, c'est fini là. On va attendre l'écuyer pour le mettre à cheval. Ton chevalier va arriver. Wow, le flow, la Busta Rhyme, comment il imite Busta Rhyme? T'as vu ça?